Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarabi la fraise de Strawberry. Et pour ceux qui me connaissent, bah comme d'habitude, votre go, générique. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time, ça fait pas mal de temps que j'en avais pas posté, mais là vas-y, je reçois trop de menaces donc je me suis dit vas-y. En fait ça va être une story time assez personnelle, y'a pas énormément de personnes qui connaissent cette histoire, y'a pas énormément de personnes qui connaissent mon ressenti face à cette histoire, même les protagonistes ne le savent pas, et je me suis dit que ce serait bien d'en parler parce que des fois les gens ils sont... Parce que des fois les gens ne s'en rendent pas forcément compte, donc voilà. Ah, je vais pleurer. Avant de commencer, me demandez pas pour la coupe. J'ai déjà mis sur tous mes réseaux partout. C'est Naomi. MNG Touch sur Insta. Donc pour remettre rapidement dans le contexte, en fait c'était il y a déjà 2 ans. Oula, le temps est passé si vite. J'étais amie avec une personne. Déjà, je vais donner des noms parce que sinon, ça va être légèrement compliqué. La fille, je vais l'appeler Julia. Et le garçon, je vais l'appeler Jason. Voilà, je vais l'appeler Jason. Donc, en fait, moi, j'étais très, très amie avec Jason. Genre, vraiment, les deux doigts de la main, comme ça. Comme ça, partout, t'entends Jason, il y a Sarabi, t'entends Sarabi, il y a Jason. Bref, et en fait, à travers Jason, j'ai rencontré Julia. Et au début, enfin moi comme vous connaissez, bandeuse d'amitié, voilà, ça veut dire qu'au début, j'étais grave sur ma réserve. En fait, c'est ça, quand on se connaît pas, je vais être sur la réserve, un peu t'analyser, un peu t'observer. Et puis si le feeling y passe, franchement, zéro limite, je fonce à fond. Et puis le temps y passe, et quand je vous dis que ça a été un coup de foudre amical, genre vraiment, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. Mais elle, c'était, waouh, c'était la pièce manquante du puzzle. Et en plus, comme c'était après le décès de ma mère... en fait, elles étaient pareilles. Genre, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais elles pareilles. Quand je vous dis pareil, c'est la même façon de penser, pleine d'amour, grave gentille. Et je pense que d'un côté, en elle, ben, je voyais vraiment le reflet de ma mère, tu vois. Et en plus, j'ai envie de dire un truc, vous allez me critiquer, je m'en fous en fait. Elles avaient le même signe astro. Voilà, voilà, je l'ai dit. Petit aparté, non pas que je pense que l'astrologie c'est un truc de ouf et tout. Moi, je pense juste que c'est un truc que. Moi, je pense que l'astrologie c'est quelque chose qui a été créé par Dieu. Mais je ne pense pas que ce soit au-dessus de Dieu. Je sais pas si vous avez capté l'idée. Donc moi ça m'intrigue. Vous voyez les trucs d'astrologie, les mondes sous l'eau. Vous voyez les trucs un peu bizarres là. Moi ça m'intrigue. J'essaie de faire des recherches, mais pas trop. Parce que si je commence à m'égarer là, bizarre. Mais ça m'intrigue. Du coup l'astrologie c'est un truc qui m'intrigue un peu. Parce qu'il y a des trucs où des fois tu me dis wesh. Wesh. Mais après comme mon pote dirait, bazabandoki. Donc on sait jamais, mais enfin bref, elles avaient le même signe astro et tout. Donc ça veut dire que bah en fait plus le temps y passait, et quand je vous dis que je me suis grave attachée à elle, et je pense que ça a créé un lien d'âme. Si vous savez pas ce que c'est un lien d'âme, tant pis pour vous. Enfin un lien d'âme, je saurais même pas comment décrire un lien d'âme. Franchement je saurais même pas comment vous décrire ce que c'est un lien d'âme. Donc je sais pas, pour ceux qui savent, bah super, pour ceux qui ne savent pas, si en fait tu t'attaches tellement à une personne que c'est comme si vos esprits étaient liés. Comme si votre âme était liée, vos âmes étaient liées. Voilà, un lien d'âme. Voilà. Et du coup, on était super, hyper attachés. Maintenant, le truc qui s'est passé, c'est qu'au départ, on était un trio. Jason, Julia et moi, tout le temps ensemble, on se voyait tout le temps. On faisait des sorties tout le temps, tous les trois, etc. Vraiment, le trio. Plus le temps il a avancé... Et malheureusement, il y a eu pas mal d'histoires avec Jason, entre moi et Jason. Ça commençait à devenir de plus en plus compliqué, parce qu'il y avait d'autres personnes qui s'initiaient dans la relation. Parce que bien évidemment, j'ai rencontré Jason avant. Du coup, ça veut dire qu'il y avait certaines choses que je faisais plus avec Jason, mais c'était pas très gênant vis-à-vis de Julia, sachant que Julia, je l'ai connue après. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'avec Jason, ça commençait à être les montagnes russes. Ça montait, ça descendait, ça partait, ça revenait. Pff, un tas d'histoires. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, Jason et moi, ça s'est terminé. Mais Julia continuait de parler et à moi et à Jason. Donc au début tout se passait bien, sachant que moi je suis pas une personne qui veut que tu prennes parti. Donc ça veut dire que même si tu lui parles et que lui et moi on se parle pas, moi ça me pose pas de problème, tu vois. Juste on parle pas de lui, ou si j'ai envie de le critiquer en fait, je le critique, mais tu le diras pas. Mais voilà, du coup ça veut dire que franchement, au début c'était, enfin il y avait aucun problème, genre vraiment aucun problème.
Et puis voilà, dans tous les cas, Jason, c'était trop comme ça. C'est-à-dire qu'on a recommencé à se parler, et puis on se parlait plus, et puis on recommençait à se parler, et puis on se parlait plus, et puis on recommençait, et puis on se parlait plus. Sauf qu'en fait, je saurais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si ça avait créé une espèce d'animosité avec Julia. Ça avait créé une espèce d'animosité, et au plus le temps y passait, plus il y avait d'embrouilles avec Jason, et plus Julia prenait parti, tu vois. Alors qu'au départ, Julia connaissait Jason avant moi, tu vois. Et ça avait fait qu'en fait, ça s'était retourné un peu contre Jason, et que maintenant, c'était un binôme Julia-moi contre Jason. Du coup, ça veut dire qu'on était vraiment contre Jason, qu'on pouvait faire les poufias, on faisait les poufias. Qu'on pouvait niquer des carrières, on niquait des carrières. Donc voilà, on était devenus... voilà, c'était... C'était vraiment... Waouh, je sais pas. En fait, ça me fait bizarre de vous parler de ça parce que... En fait, ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment, en fait. Ça me touche vraiment parce que quand je vous dis... En fait, les deux, je tenais trop à eux. Je tenais trop à eux parce que c'était des personnes qui étaient arrivées, encore une fois, après le décès de ma mère. Et pour faire une aparté, genre vraiment... En fait, comme j'avais perdu mon pilier, je cherchais un pilier ailleurs. Au lieu de me tourner vers Dieu, je me suis tournée vers les gens. Sans ça, déjà après, il m'a ramassé. Il m'a dit, toi, tu vas ouf. Mais bref, du coup, ça veut dire que moi, je cherchais un pilier auprès des gens. Et du coup, ben moi, ça m'avait trop touchée. Mais bref, d'un côté, j'étais trop confiante et tout, parce que dans tous les cas, il y avait Julia. Ça veut dire que moi, je m'en foutais, en fait. J'avais Julia Margot. Jen, c'était là, ouais, la guerre. Mais en fait, moi, comme une bête, et au début, surtout, ce que je me disais, c'est que Julia, en fait, au bout d'un moment, j'étais tellement attachée à elle que pour moi, genre, Julia, c'était quelqu'un de très calme. Posée, mais tellement sage, tellement aimante, genre vraiment, waouh, une personne si apaisante et prête à faire des trucs. Elle, je vous dis, pour moi, elle a fait des trucs que, en fait, Jason et Julia, ils ont fait des trucs pour moi que dans toute ma vie, personne n'a fait. Pour être honnête avec vous, personne n'a fait. Je pense que c'est pour ça que deux fois plus, j'étais attachée à eux. Parce que de tous mes potes, même s'il y a mes potes qui regardent ma vidéo, ils vont savoir de qui je parle. Et ces deux-là, ils ont fait des trucs pour moi que, wesh, même moi-même, je pense que pour eux, j'aurais pas fait. Franchement, moi pour eux, je l'aurais pas fait. Franchement, je l'aurais pas fait. Et justement, c'est ça qui me fait mal chez moi, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que je suis une personne qui, quand je suis dans une relation amicale ou même amoureuse, ben en fait, quand la personne elle va me donner beaucoup, je vais pas être capable de lui donner beaucoup, tu vois. Mais quand une personne elle va pas forcément me donner beaucoup, moi je vais lui donner beaucoup, tu vois. Et ça, c'est un truc, c'est un fléau. En fait, c'était dans deux périodes de ma vie. Parce que par exemple, avant lycée, j'étais quelqu'un qui donnait beaucoup dans mes relations amicales. Même quand je dis beaucoup, c'était je donnais mon corps, mon cœur, mon âme, je te donne ma vie. Et à l'encontre, quand je me dis, hey, le nombre de crasses que j'ai eues dans ma vie. Non, frère, si on s'assoit ici pour raconter des histoires, on va être fatigué. Moi, j'étais le dindon de la farce. Mais toi, t'es le dindon de la farce, c'était moi. Genre vraiment, on se foutait de ma gueule tout le temps. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que un peu dans ma tête, je m'étais dit en mode, ouais, ça y est, c'est fini d'être le dindon. Donc, ça veut dire que c'est pas que tu vas prendre les gens pour un dindon. Parce que moi, mon principe, c'est en plus, en tant que chrétienne, pour ceux qui ne savent pas, je suis chrétienne, c'est de faire mon maximum pour ressembler le plus à Christ. Et Dieu, il aimait tout le monde. Enfin, Jésus, pardon, il aimait tout le monde. Genre, même les prostituées, même pour ceux qui connaissent l'histoire de Zachée, un escroc comme Zachée, il est parti d'aller manger avec lui. Donc, vraiment pour dire que Jésus, il aimait tout le monde. Donc, ça veut dire que moi, mon principe de vie, c'est vraiment de mettre tout le monde à l'aise, d'aimer tout le monde, que tout le monde soit bien, qu'il y ait personne qui se dise, ah, qui ait mal au cœur à cause de moi, tu vois. Que personne ne se dise, ah ouais, Sarabie, elle m'a fait trop mal et tout, ça, je peux pas. Ça, je peux pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui pleure sur mon nom, là, faut venir. On va s'expliquer, on va demander pardon, mais pardon, faut pas pleurer sur mon nom, faut pas. Même mes relations que j'ai eues après, du coup, amicales ou autres, ben, en fait, d'un côté, je me protégeais en fermant un peu mes portes, mais en même temps, je ne voulais pas être trop froide. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je les voyais me donner plein d'amour, faire un tas de trucs pour moi et tout. Et moi, j'étais là en mode, je leur rendais. À la manière dont moi je pouvais, tu vois, à la manière, aller à mon échelle. À mon échelle, je leur rendais. Aujourd'hui, avec un certain recul, je pense que je leur rendais pas assez. Parce que je me dis qu'ils ont fait franchement des choses énormes pour moi. Mais en fait, je sais pas comment j'aurais pu donner plus, sachant que moi-même, j'étais vidée de toute énergie. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ce qui se passe, c'est que Jason, on ne se parle plus du tout.
Julia, elle a décidé de prendre parti, clairement. En plus, il y avait des histoires qui avaient fait que vraiment Jason, on s'était rendu compte que c'était quelqu'un de mauvais. J'ai envie de dire quelqu'un de mauvais. À ce moment-là, en tout cas, pour nous, c'était quelqu'un de mauvais. Même pour moi, c'était vraiment un monstre. Et du coup, Julia, elle prend parti, on ne lui parle plus. On est super proches, on passe tout notre temps ensemble. 400 coups, on se voit tous les jours. Elle connaît ma famille, je connais sa famille, elle vient à la maison, elle mange du chikwangue, je vais chez elle, je mange des pastéis de nata et tout. En fait, moi, il se passe avec Jason, la relation, elle était tellement étrange. En fait, on se rend compte qu'elle était ambiguë, que c'était pas qu'une amitié. On se dit, ouais, c'est pas qu'une amitié, mais ouais, c'est bizarre, parce qu'en soi, il n'a pas dit que vous étiez plus qu'amis. Et puis moi, j'étais pas une fille qui allait venir te dire, ouais, viens, on se pose et tout. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais vraiment une bolosse. Donc oui, il y a des moments où je disais, ouais, je crois que. Je pense que j'ai des sentiments envers toi et tout. Il n'y a pas de problème, mais jamais de la vie, je vais te dire, ouais, viens, on se pose. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et aujourd'hui, par exemple, je sais que même rien que de dire mes sentiments, de toute façon, aujourd'hui, je pense. Franchement, pour être honnête avec vous, je sais même. C'est même pas pour faire la meuf, mais je sais même pas si un jour. Je vais être amoureuse d'un mec. Franchement, je sais que je vais me marier tout ça, mais est-ce que je vais être amoureuse de moi? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, l'amour fait des ravages, hein. J'aurais dû mettre peut-être un petit collier, non? Mais en fait, j'aime bien quand ma tête elle est nue comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait très classe, sophisticated bitch. I got your time, bro. Brrr. Bref, excuse me, guys. I've lost myself. Et donc maintenant, ce qui s'est passé, c'est que on a recommencé à on se parle, on se parle plus, on se parle, on se parle plus, on se parle, on se parle plus. Et en fait, ça a créé des clans. À savoir que Julia, Jason et moi, on était amis avec d'autres personnes. Et en fait, dans ces autres personnes, il y avait déjà des clans qui étaient formés contre Jason. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais entre deux. Il y avait du coup Julia qui parlait avec nos autres amis qui ne parlait plus à Jason. Et il y avait Jason de son côté avec nos autres amis qui ne parlait pas à l'autre côté du groupe. Et moi, j'étais au milieu. Maintenant, il fallait que je choisisse un camp. Au début, pour être honnête avec vous, j'avais pas choisi de camp. Mais j'étais plus avec Julia et nos autres copines. Et Jason, je parlais avec les autres, mais pas Jason. Tu vois, pas du tout Jason. Je m'en souviendrai toujours. Je m'en souviendrai toujours. Il y a un jour, on avait fait une sortie. Et en fait, on avait fait une sortie avec le groupe. Jason, tu vois. Et toutes les filles de groupe m'ont envoyé un message en mode ouais, mais tu fais quoi et tout point d'interrogation, genre tu reparles à Jason et tout. Et ce jour-là, je leur avais pas répondu. Toutes celles qui m'ont envoyé un message, j'avais même pas répondu parce qu'en fait, d'un côté, j'avais honte. J'avais grave honte parce qu'avec tout ce qui s'était passé avec Jason, toutes les histoires qui s'étaient passées avec Jason, tout le temps c'était la même chanson, tout le temps c'était des trucs. Moi, je suis désolée, mais à partir du moment où il y a des histoires qui sont redondantes, à partir du moment où l'histoire elle est pas lisse, elle est pas calme, c'est qu'il y a un problème quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un problème quelque part. Faut le régler, faut le régler. Et si ça vient pas de Jason, ça vient de Sarabi. Mais si ça vient, il y avait des trucs qui venaient de moi. Mais quand ça venait de moi, je suis une go. Quand je suis en tort, il n'y a pas de problème. Je vais assumer mes torts. On va régler nos histoires. On va fanda, ça va bien se passer. Mais là, c'était de la faute de Jason. T'as capté? C'était de la faute de Jason. Mais encore une fois, comme j'étais une zoba, une bondeuse d'amitié, bien sûr, bien sûr, en fait, Sarabia est tombée. En fait, évidemment, carrément, je suis énervée. Carrément, je suis énervée quand je vous raconte, wesh. Mais ça veut dire que du coup, je vous parle à Jason et tout. Et en fait, je sens. En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais je vous promets, au bout d'un moment, quand il y a certaines personnes avec qui t'es et que tu vous connaissez assez bien, tu commences à sentir les sensations. Tu sens quand la personne, tu vois, y a un truc qui s'est cassé, il y a un truc qui s'est, tu vois, slash, il y a quelque chose qui est parti là, c'est fini. Ça veut dire que plus le temps y passe, peut-être 2 semaines plus tard, on se revoit et tout. Et je revois, Julien, on s'adresse plus trop la parole. Julien, on s'adresse plus trop la parole. Je me dis que c'est vrai qu'elle avait arrêté de parler avec Jason pour moi. Et moi, je reparle avec Jason. Tu vois que d'un côté, elle paraît bête. Parce qu'en soi, elle a pris une décision pour moi. Et moi-même, je retourne là où elle est partie à cause de moi. Donc, je vois pas Julia et tout. Mais je revois les filles du groupe. Tout ça, on discute et tout. Nan, ouais, mais toi, sinon, Jason, nanana. Devant le fait accompli, on arrive à un stade où, encore une fois, Jason me la fout dans le cul. Bon, est-ce qu'on est choqué? On n'est pas choqué. De toute façon, Jason, c'est son taf.
à part détruire. Lui-même, le verset de la Bible là qui dit je suis venu pour voler, dérober et détruire, là on se demande même si c'est pas lui-même qui l'a fait. Bref, donc voilà. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que moi-même, en fait, moi-même, j'ai honte. Moi-même, j'ai honte. Et moi-même, j'ose pas retourner vers Julia. Je commence à noyer l'abcès. Et Jason, ça s'arrange pas du tout. Il devient de pire en pire. Dites-vous que même les personnes avec qui on était dans le groupe avec Jason et tout, elles commencent à ne plus lui adresser la parole, en fait. Parce qu'on se rend compte que ça devient un monster. Mais t'as jamais vu un monster pailleté toute ta vie. Carrément, j'aimerais bien faire une story time dessus, mais j'ai trop la flemme parce qu'il y a trop d'éléments. Et j'ai même pas envie de lui donner de l'importance à ce stade-là. Donc voilà. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Maintenant, ce qui se passe, c'est que on se retrouve tout ensemble avec le groupe de Julia et tout. On parle. Mais quand je vous dis, tu vois, je parle et tout, les éléments les plus importants de sa vie, je les découvre comme ça, genre, après tout le monde. Je sais pas comment vous expliquer. Tu vois, quand tu passes de BFF avec une personne, genre, vous faites tout ensemble, il y a un moment, elle avait Covid, je suis allée la voir et tout, même si elle était Covidée, j'en avais rien à faire tellement c'était le sang de la veine. Et là, la go, elle réussit ses trucs et tout, et moi, je la prends là comme ça, alors que toute la France est déjà au courant. En soi, ça me pose pas vraiment de problème que tu me le dises pas ou autre, mais je sais pas, genre, je sais que en temps normal, ou quelques mois plus tôt, j'aurais été la première à le savoir, tu vois, la première à le savoir. Et là, c'était genre la dernière. Au début, je m'en foutais et tout, je me disais, vas-y, c'est pas grave, c'est la vie. Et moi, ce que j'avais établi comme règle auprès de moi, c'était que c'était tellement une bonne personne que je m'étais dit que dans tous les cas, même si elle ne m'envoie jamais de message ou autre, moi, je lui enverrai toujours le premier message parce que je l'aime trop. Le temps, il passe, il y a des moments où on se voit plus trop et tout, je lui envoie le message. J'ai fait ça pendant peut-être quelques mois, elle, je m'investissais de fou, j'envoyais des messages, je donnais de l'énergie, je mettais de la force, j'essayais de sauver, j'étais là. En plus, à cette époque-là, j'étais encore une bandeuse d'amitié. C'est-à-dire que j'étais là, j'ai mis de l'énergie, ça va, Julien, quoi de neuf, t'as besoin d'aide, tu veux quoi, nanani, nanana. Son anniversaire, il est arrivé, elle, à mon anniversaire, elle avait fait une dinguerie de fou. Mais mon anniversaire, genre, il était en avril, et elle, il était en décembre. Et dites-vous qu'entre avril et décembre, il s'est passé tellement de choses. Décembre, j'ai fait mon max et tout, je lui ai offert des petits trucs, tout ça. Mais tu sens que la relation, c'est plus la même, tu vois. C'est plus la même du tout. Et pour terminer, aujourd'hui, on s'est sur les réseaux, genre je l'ai sur les réseaux, on s'envoie pas de messages. Je vois, elle vit sa best life. Moi, je suis grave contente pour elle. Quand je vois qu'elle est là, elle s'amuse et tout. Et franchement, je kiffe, je suis grave contente pour elle et tout. Moi, de mon côté, je suis en train de faire mes bails, je suis en train de faire mes affaires, tout ça. TikTok, tout ça. Je vais faire la meuf. Mais voilà, en fait. Et c'est là où je me dis, genre, ça, c'est une amitié que... Enfin, Julia, en vrai, c'est que l'amitié que je regrette le plus, c'est Julia, parce que Julia, elle m'a fait aucun mal. Il n'y a rien que je peux dire, ouais, Julia, elle m'a fait ça, il n'y a rien. Pour vous dire, Julia, elle est blanche, elle est clean. Si elle m'a fait du mal, c'est un mal que moi-même, je ne sais pas. C'est un mal que les gens, ils gardent autour de moi, ils ne veulent pas me dire, mais que là, je te dis, ouais, Julia, elle m'a fait du mal, il n'y a pas. Alors que Jason, il m'a grave niqué. Jason, il me l'a grave foutu dans le dos. Il m'a grave trahi. Entre laisser des gens parler sur moi. Mentir. Trop. Jason, il m'a trop niqué. Jason, il m'a vraiment trop niqué. Mais Julia, clean. Elle a rien fait. Et ce qui me fait trop mal au cœur, c'est que comme d'un côté, je l'ai prise pour une conne. Tu vois, je l'ai prise pour une conne. Elle a pris parti pour moi. Moi, au moins, au lieu de rester avec elle. Et de vraiment prendre la décision d'arrêter. Non, je suis repartie avec Jason. Pour qu'au final, Jason, il me la remette dans le cul. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jason et moi, on se parle plus. Julien et moi, on se parle plus. Maintenant, c'est qui qui est en perte? Merci. Donc, vraiment, les amis. Moi, je vous dis, les amis, quand vous avez des vraies amitiés, quand vous voyez qu'il y a des gens qui en valent vraiment la peine, des gens qui sont là pour vous, qui vous écoutent, qui à n'importe quel moment de la journée peuvent venir. N'importe quel moment de la journée. Julia, dès 3h du matin, je l'appelais, elle répondait. 3h du matin. Alors que le lendemain, elle pouvait commencer à 8h, 3h du matin, elle me répondait, elle était là. Jason aussi, hein. Je vais pas cracher parce que je sais que Jason, il a fait des trucs de dingue pour moi. Il n'y a pas de galère. Mais il m'a aussi bien niqué.
Tu vois ce que je veux dire? Lui, il a la balance. Alors que Julia, il n'y a rien où je peux dire, ouais, Julia, elle m'a niqué. Non. Never. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'était une story que je lui ai racontée. Parce que ça m'a fait mal. Parce qu'en fait, dernièrement, j'ai vu un truc. J'ai vu une story qui m'a fait trop mal. Qui m'a fait trop mal. Et c'est pour ça que franchement, je vous conseille. Hein, évitez au maximum les embrouilles. Ça ne sert à rien. Genre vraiment, ça sert à rien de vous embrouiller avec les gens. Si je m'étais pas embrouillée avec Jason. Avec Jason, on aurait continué à se parler tous les trois. Ça se serait très bien passé. Il n'y aurait eu aucun problème. Mais non. Mais non. Il fallait seulement, en fait. Il fallait seulement que j'ouvre ma bouche salée là. Pour qu'il y ait encore des histoires. Et nanani, et nanana. Et aujourd'hui, je regarde sa story comme ça. Je suis plus dedans. Je pense que même si demain elle fait un truc, je pense qu'elle va même pas prendre la peine de m'inviter. Ouais! Moi, demain, j'ai un truc, je l'invite. Hein. Franchement, moi, je l'invite. Pour moi, c'est ma copine. Mais moi, pour moi, c'est ma copine. Mais pour elle, je suis quoi? Donc, bref, à bon entendeur, je vous ai ouvert mon cœur. J'espère que la structure elle vous a plu. Et j'espère que vous allez reprendre bonne note. Parce que faites attention à vos amitiés, je vous promets. En plus, on connaît pas le cœur des gens. Moi, je sais pas, ça se trouve qu'en vrai, quand j'ai fait ça, elle s'est sentie trahie. Julia Namaya, Julia. Donc voilà quoi. Ah, j'ai mal un peu. Hein. Bref, à bon entendeur. Salut.